même si on va au Réformé, Canebière, il n'y a plus le monde de chaleureux qu'on a ici. Vous voyez les clients, il y a le ramadan bientôt, ils vous portent les gâteaux, ils viennent d'Algérie, ils nous portent toute la beauté d'ici, la chaleur. C'est mon remonte-moral, là. C'est tout. Moi, je suis sicilienne. Hein. On voit toutes les religions, on s'adapte à tout. Et c'est très agréable. Alors, on va partir sur la Canebière, en attendant de créer un autre marché. Ils vont nous mettre sur la Canebière, mais ici on ne reviendra plus parce que l'hôtel il veut pas. On va aller au Goud. Vous connaissez les Goud? Non, allez, parle-moi. Mais c'est bien, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, enfin, moi j'ai des relations à la mairie, on va aller au Goud. Allez, laisse-le parler. Si, parce qu'ils vont mettre des navettes gratuites. Ah, puis il existera au Goud. Ça pourra aller au marché Noailles et des Goud. Et vous, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Eh ben, on n'est pas d'accord, mais comme il faut faire, on y va, nous on suit. Hein. Ah, et vous voulez pas vous mobiliser pour essayer ici? Mais vous mobilisez pourquoi? De quoi? La plaine, ils sont 300, ils sont mobilisés, ils vont partir quand même. Nous, on est 16. À 300, ils sont pas arrivés. Nous, à 16, on ira voir. Là. On est très chaleureux entre nous. Le vendredi, ils ont le couscous, ils nous font manger. Il n'y a pas de racisme. Voilà. Il n'y a pas de racisme et je veux dire entre commerçants, on est solidaires. Et des gens qui parlent d'insécurité. D'insécurité? Ouais. De partout où vous allez. Ne dites pas que c'est Noailles, c'est tout. Vous allez à Castellane, c'est pareil. Vous allez au Prado, c'est pareil. Une fille d'une cliente s'est fait voler le portable hier à La Ciotat. C'est de partout, madame. N'écoutez pas. Ils ont fixé son Noailles pour nous donner une mauvaise image. Juste pour vous dire, concernant le marché des Capucins, nous avons effectivement eu des contacts avec la Soleam sur la requalification. Et vous avez le plan là qui est à disposition pour voir ce qu'est le projet de requalification matérielle, c'est-à-dire comment ça va être rénové. Après, la question que pose votre président de CIQ, c'est quel type de commerce vont être mis là? C'est l'opportunité. Cette réinstallation ne correspond pas à ce que nous attendons et ce que nous espérons depuis longtemps, je pense que ce sera très dommage. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire part de vos souhaits. On s'est aperçu que Castellane, vous avez un marché et vous avez des kiosques qui fonctionnent très bien. Pourquoi pas inventer des kiosques, quelques kiosques, avec une activité laquelle on n'a pas encore. C'est la bagarre tout de suite, parce que ou c'est des fromagers ou c'est pas des fromagers. Est-ce que c'est des sandwichs ou pas des sandwichs? Est-ce que des fleurs ou pas des fleurs? On n'en sait rien. Je pense qu'il faut qu'on fasse une trame un peu touristique pour attirer une nouvelle clientèle. Essayer de relever le niveau. Et ce qu'on pourrait créer, effectivement, c'est Voile de la Croix, faire un marché paysan. Et la dernière, alors ça, effectivement, ce sera plus difficile, ça serait de faire un marché couvert. Alors, un marché couvert. Et le marché couvert, où c'est KFO? Il faudrait leur donner à FO un bel immeuble avec un parking et tout. Et nous, en centre-ville, faire un marché couvert de qualité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le marché, on va faire du marché paysan, machin truc. Mais que deviennent les commerçants actuels qui y sont? Alors, vous m'avez dit, ils vendent de la mauvaise cam, ça pourrit, c'est n'importe quoi, c'est tout. D'accord? C'est ce que vous m'avez dit la dernière fois quand on a discuté. On ne peut pas toujours se payer le haut du pavé. Excusez-moi. D'accord? Du panier. Hein? Du panier, excusez-moi. Donc c'est compliqué. On ne peut pas non plus. Et je pense qu'il y a des gens qui rue d'Aubagne, qui habitent rue d'Aubagne et qui n'ont pas les moyens de s'acheter la high class, hein, si on peut dire. Alors effectivement, il va y avoir un hôtel très très chic, d'accord? Et il ne faut surtout pas que les gens qui sortiront du 5 étoiles se retrouvent dans un marché. Et moi, je pense que Marseille doit rester Marseille. Pour le marché de Noailles,
Nous allons voir la concertation qu'il va y avoir avec les élus. Je vous en tiendrai au courant et nous agirons suivant les résultats. Est-ce qu'on va revenir ici ? C'est ça la question. Normalement, on fait les travaux pendant 4 mois et demi, on est en haut et ça, on est censé revenir ici. Mais je suis pas sûr qu'on va revenir. Pourquoi ? Je sais pas, je sens qu'ils vont nous la faire à l'envers, comme la plaine. Ouais, on paye, mais ça appartient à la ville. S'ils veulent nous faire partir, et à la plaine, ils l'ont fait pareil. Par contre, il y a beaucoup de bruit qui court, qu'on revient plus. Ah ! Et donc ? Donc on revient. Pour qui ? Nous-mêmes, pour l'Amérique, on revient. Ah oui. Parce que là, on a été gentils, on ne dit rien. On s'est pas plaint. Ils nous déplacent, ils sont déjà gentils à eux. On a des obligations, ils en ont autant que nous. Puis ils nous ont donné les certificats, on revient, ils nous refont les stores, ils nous refont les devantures de vin, ils nous refont les tables. Enfin, 67, depuis 67, tous les commerçants des alentours voulaient faire partir le marché. Il y en a presque, peu cher malheureusement, ils sont morts aujourd'hui, et le marché est toujours. C'était le CIQ qui voulait nous faire mettre là-dedans. Seulement le problème, c'est un bâtiment classé, les sorties de sécurité n'existent pas, et ils ne veulent pas toucher le bâtiment. On est considéré commerçant, c'est pour ça que le dimanche ils voulaient mettre des antiquaires et enfin, bouquinistes, antiquaires par marché un peu, vous savez, comme il se fait dans les autres villes. Quoi. Par rapport à la législation, ils n'ont pas le droit. Madame Lota, c'est la responsabilité, c'est quand même l'élu aux emplacements. Donc les décisions finales lui appartiennent. Moi personnellement c'est une perte pour Marseille, parce que moi ça fait 10 ans que j'habite à Marseille et le marché c'est une institution. Et la place, l'ambiance, on boit un café, on marche dans les coursives, là-bas il y a les pâtisseries orientales. Pour les revenus modestes en fait en fin de journée, pour 4 ou 5 euros on pouvait remplir un panier. En fait il va y avoir un hôtel de luxe, voilà, donc je pense qu'à terme, la municipalité, il veut que ce soit pour une certaine population. Hein. Donc ils veulent peut-être nettoyer le quartier, c'est mon ressenti. Hein. Si le quartier ici n'a plus le marché, si c'est uniforme, si c'est que des magasins un peu de montée en gamme, non, je ne reviendrai plus. Moi, j'aime le côté populaire. Et tout, c'est l'endroit pour le pauvre de Marseille. Si on enlève ça, ils mettent les hôtels de 5 étoiles, 4 étoiles ici. Ils vont tuer le marché. Rénover, je suis tout à fait d'accord. Mais pour faire d'autres choses à la place, et le café, ça coûte pas cher. 1 euro, c'est quoi 1 euro. Il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a tout le monde, ils se connaissent. Moi, quand j'arrive ici, tout le monde il me fait ça. Et je connais personne. Mais eux, ils me connaissent parce que j'ai l'habitude de venir ici. C'est notre nid d'abeilles, comme on dit. On a tous les miels ici. Alors, s'ils nous enlèvent le nid d'abeilles, on est parti. Marseille. Donc ici on est en train de faire une balade culinaire et donc là je m'arrête chez Yacine qui sont une famille avec des frères qui travaillent ensemble et on fait une balade où on mange, on fait un vrai repas. C'est beaucoup plus, j'allais dire, abordable, c'est beaucoup plus sympa. Abordable, parce que c'était pas abordable avant. On venait moins. D'abord il y avait moins de monde, donc... Ah oui, moi je suis là. Bah bon. Moi, je vais souvent au marché des Capucins à côté, je trouvais qu'il y avait un peu moins de monde. Là, c'est devenu plus touristique quand même.
si on peut mélanger de plus en plus, bon ces boutiques de luxe, hein, parce que c'est vraiment une boutique de luxe et d'autres plus accessibles, c'est intéressant pour tout le monde. Hein. Elle a su créer un univers dans un lieu qui ne prêtait pas la réhabilitation, on n'avait pas envie d'y aller. Voilà. Course alimentaire, éventuellement, on en prend ici parce que tous les produits sont bons, mais on va à l'Empereur. Généralement, on fait notre petit tour. Il m'est arrivé pour des circonstances d'aller chez le Chapelier, mais c'est vrai que chez toi, nous, là, voilà, mais ce n'est pas un quartier qu'on fréquentait, on n'y serait pas revenu si elle n'avait pas créé ce lieu, il faut le dire. Ou alors, on y vient pas régulièrement. Là, on y vient presque tous les vendredis, vous voyez. On habite dans le 8e. Mes enfants, je vous le dis tout de suite, ils ne viendront pas habiter dans le quartier. Parce qu'ils ne sont pas dans ce... Je pense pas, mais bon, peut-être. Enfin, je ne veux pas être fermée sur la chose, parce que ce qui est vrai aujourd'hui n'est peut-être pas vrai demain. Alors, on a vu dans d'autres villes que des quartiers ont été réhabilités et que ça a bien fonctionné. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a le tourisme déjà qui vient dans ces quartiers, donc pourquoi pas? Pour tout vous dire, pour le marché, bon, Marseille il est envahi par les rats, mais dans ce marché, il paraît que c'est particulier. Donc, ça incite pas non plus à aller acheter nos produits. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Ça a changé parce que au niveau des fréquentations, je trouve que c'est moins bien fréquenté. D'accord. On se sent moins en sécurité, je trouve. Vous voyez, c'est quand même un quartier populaire. C'est n'est pas ni à Nice ni à Monaco ici, hein, quand même. Bon. Ouais, ouais. C'est pas à Cannes, ni à Saint-Tropez. C'est sûr que quand vous allez sur des marchés où ils vendent des clémentines à 3,80€ le kilo, à 4,50€, nous dans les belles, on est à 2,40€, 2,50€. Alors voilà, on ne peut pas aller plus haut aussi. Hein. On n'a pas les clients, on n'a pas les riches qui viennent acheter. On a toutes sortes de clients. Et c'est pas les gens fortunés qui n'arrivent pas chez nous en Mercedes ou en Rolls avec le chauffeur qui les empère les courses. Chez nous, on n'en a pas de ça. On n'ivre pas les yachts, nous. Tous les produits qu'on a rapport qualité-prix, vous pouvez goûter n'importe quoi. Je vous mets au défi de manger quelque chose sur mon banc qui n'est pas bon. C'est vraiment... Fais-moi écouter à mon ami parce que lui... Antoine, viens écoute papa Yves. Le marché, on va faire du marché paysan, machin truc, mais que deviennent les commerçants actuels qui y sont? Alors vous m'avez dit, ils vendent de la mauvaise cam, ça pourrit, c'est n'importe quoi, c'est tout. Je pense qu'il faut qu'on fasse une trame un peu touristique pour attirer une nouvelle clientèle, essayer de relever le niveau. Alors ils ont dit que la marchandise était pourrie, mais seulement il fait manger aux gens la marchandise pourrie. Parce qu'ils cuisinent avec nos produits quand même. Ah oui, il faut le dire. Et oui. Non, mais tout par contre, ils ne savent pas quoi faire. Vous y avez été, vous avez pu voir. Un il dit on va faire un fromager, l'autre il dit on va faire un fleuriste, l'autre on va faire ci. Mais moi j'aimerais bien. Hein. Après, il y en a un qui a dit par contre que. Parce qu'il a dit qu'il habitait à Noailles. Ah, il n'a pas dit ça à la Réunion. Et qu'il y en a un qui a dit qu'il est vendeur de sommeil. Parce qu'il a deux appartements qu'il loue. Plus. Il habite à Aix. Voilà. 3 kilos, hein. Le nouveau plan qui va avoir la restructuration du marché. Il y a le changement, les carrés, ben, c'est marqué les arbres. Ça c'est la route. Là c'est les emplacements des forêts. Et les stores qui font 4 sur 4. Nous on fait 2 sur 4. Nos salles. Et on est toujours pareil, on est 17. Voilà.
Vous êtes là à présent. C'est Noaï qui s'est déplacé. Ils ne savent pas, les pauvres. Ils vont fermer Noaï, ils ne savent pas. Doucement, doucement, ils ne vont plus revenir là-bas. Hein. Un kilo, hein.